Le sort des gorilles de montagne du Congo est aujourd'hui entre les mains d'un seul homme, le général rebelle Laurent Nkunda. Depuis qu'il a chassé les gardes forestiers, il contrôle tous les accès au territoire occupé par les gorilles. Ne pensons pas qu'à nous. Pensez au pays tout entier. Pensez à votre nation. Pensez à l'ensemble du Congo. Laurent Nkunda a apporté sa révolution jusqu'ici, au cœur de la forêt. Les ressources naturelles du parc national des Virunga pourraient lui permettre de prendre le contrôle de toute la région. Par cette démonstration, les soldats commando veulent impressionner leur chef. Nous sommes des rebelles. Nous ne recevons aucune aide, aucune munition de l'extérieur. Donc notre devise, c'est une balle, un ennemi. Prenez les munitions de l'ennemi. Laurent Nkunda dit vouloir protéger les Tutsis congolais du sort que connurent les Tutsis rwandais pendant le génocide de 1994. Ces hommes sont connus pour leur brutalité extrême. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui pour crime de guerre. Ces hommes sont accusés de meurtre et de viol sur la population civile et de recrutement forcé d'enfants soldats. C'est cet homme, ce présumé criminel de guerre, qui aujourd'hui est le gardien d'une espèce en voie d'extinction. Nous avons pris le secteur des gorilles l'année dernière, non pas parce qu'il y avait des gorilles, mais parce que c'était un point stratégique pour nous. Je protège la nature. Je protège l'environnement. Je sais combien l'environnement est important. Je sais combien les gorilles sont importants. Nous n'avons pas forcé les gardes forestiers à quitter leur secteur. Nous n'avons jamais menacé les gardes forestiers. Et nous ne sommes pas en mesure de le faire. Le contrôle du secteur des gorilles par Laurent Nkunda est d'autant plus inquiétant qu'on raconte de drôles d'histoires sur son armée. Il y a peu de temps, ces hommes auraient ainsi tué et mangé deux gorilles, puis jeté l'une des dépouilles dans les latrines. Une accusation que le général rejette en bloc. Si un de mes hommes tue ou blesse un gorille, c'est la prison qui l'attend. Mes hommes savent parfaitement que c'est un crime de tuer un gorille. Le secteur des gorilles est la région la mieux gérée. Nous devons montrer que nous sommes capables de protéger les gorilles et les autres animaux, et que nous le faisons.